Salut, avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord, le lien est dans la description. Et la deuxième, je fais des lives de façon régulière, les vendredis et samedis de 18h à 21h. Mais également, parfois de minuit à 3h du matin. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PeurGamer. Bienvenue pour un nouvel épisode de The Last of Us par Titu. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, c'est le 7ème les amis. La dernière fois, j'avais ragé comme jamais. Cette fois, on va essayer de se contenir, je vous rassure les amis. On va pas faire un épisode rage à chaque fois hein, quand même, hein. On va se détendre, on va se détendre, souffler un bon coup, et voilà quoi, j'espère avancer. Donc on est parti, hein, le 7ème de notre aventure les amis, et j'ai fait un peu le point, je sais pas si je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, mais j'ai fait un peu le point, et mine de rien, on avance bien mine de rien. Mine de rien on avance bien, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool, parce que des autres jeux vont arriver, les amis. D'autres jeux vont arriver, et surtout, surtout que dans The Last of Us, voilà, il faut surtout bien avancer, quoi. C'est surtout pas un let's play où j'ai envie de prendre mon temps énormément, sinon je vais m'ennuyer, je vous le cache pas. Sinon je vais m'ennuyer, donc voilà, voilà, quoi. Alors, nous sommes partis, donc je crois que ouais, c'était par là, hein, la dernière fois qu'on s'était laissé. Oui, voilà, c'était ça. Voilà, c'était bon. Le checkpoint était à peu près bon. Il était à peu près bon, il y a juste ça, ouais, qu'on avait fait. Et c'est tout. Ah ça je l'avais pas vu je crois. Je crois que ça je l'avais pas vu. Et du coup nous sommes partis hein, toujours à la recherche de la fumée noire hein, je vous rappelle. On devait se rapprocher de la fumée noire. Soldats des ouais. WLF, ils sont où? Ah. Là, la question se pose. Ils l'ont trouvé. On va les aider? Non. Ah, bordel. Je crois que ça venait de ce côté. Je sais pas s'il m'a vu le chien. Ah si, il m'a vu. Voilà. Putain. Oh sérieux. Dégage. Ah là là. Putain ces chiens décidément. Ils sont embêtants hein. Ils sont très très embêtants. Mais bon écoutez, que voulez-vous. Bon après on va devoir prendre ce fusil là hein. On va devoir prendre ce fusil là parce que là ça craint un peu. Ah tiens, on peut créer un mini kit. Ah on peut créer un kit, ah bah excellent. Bah vas-y hein, parfait. Impeccable. Quand même un tissu entier hein, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu parce que je crois que le tissu c'est ce qui me manque le plus à chaque fois. Ok. Où est-ce que je dois aller? Attends, la question c'est où est-ce que je dois aller? Bah tiens la fumée noire elle est où? Elle est là la fumée noire, d'accord. La fumée noire est par ici donc normalement. Ah. Ah merde, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu, il y a encore quelqu'un. C'est fou ça, on peut jamais être tranquille hein. On peut jamais être tranquille, c'est fou. C'est quand même incroyable. Bah ouais effectivement il m'avait entendu. Enfin elle visiblement. Quoi? Tiens. Voilà. Ok. Je croyais que j'allais pas l'avoir. Hein. C'est terrible comme par hasard. Elle avait bougé de place comme par hasard, mais bon. On a réussi. Oh putain. Ok. Alors il y en a un, deux. Ah, deux avec un chien. Ah non, il y a un chien. Putain. Vous savez quoi, c'était même sûr, en vrai. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait avoir un chien. Par contre, lui, on va essayer de le détruire. Hop. Ah. Oh non.
Quoi, mais d'où? Dégage. Putain, c'est... Waouh. D'où? Oh putain. Ah, putain. Quoi, mais d'où? Eh sérieux, mais... Et là, on est d'accord, les amis, que j'ai bien visé, normalement. D'où... D'où ça passait pas, je comprends pas. En vrai, je comprends pas, genre, fourberie, là, je suis dégoûté. Genre, ça devait passer, normalement. Ça devait passer. Wow, c'était stylé, ça. Putain. C'était quoi, ça? Je me suis mis... Wow, je me suis mis en mode commando, c'est incroyable. C'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf. Bon, ça pue l'ennemi encore, il y en a encore un, non? Ok, visiblement, il y a personne. Visiblement, il n'y a personne, donc on peut avancer. Dommage, c'est que bah, la meuf que j'ai tuée là, ou le mec, je ne sais plus. Ah, la poisse. Mais ils sont où les ennemis? Ah, d'accord. Ah. Ah merde. Putain. Putain, j'ai plus de balles bientôt avec ces merdes. C'est fou ça. J'ai bientôt plus de balles, décidément. Je peux pas... Putain, mais vas-y, moi je veux récupérer les balles. Je peux vraiment rien faire pour les récup, c'est bizarre ça. Ça, c'est très étrange. Encore une fois, les amis, hein, si vous connaissez le jeu et que vous avez des astuces, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les faire part. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Bon, visiblement, ça ne marche pas. Bah écoutez, tant pis, on va faire ça. Eh putain, mais ils sont combien? Mais vas-y. Oh, c'est impossible. Putain. Ah, je pouvais pas. Mais c'est trop dur. Franchement, honnêtement, c'est trop dur là. C'est what the fuck, d'où? Mais ouais, mais vous êtes marrant. Vous êtes marrant là-bas, le JGN, tout ça là. Putain, mais d'où? Dégage! Dégage toi, tiens! Et tiens, tiens, mais meurs! Meurs! Couille de ouf celui-là! Eh, c'est un clébard ça, non? Ah non, c'est pas un clébard, attends pour moi. J'ai rien dit. C'est un mec qui m'attend. C'est un mec clairement qui m'attend. C'est quoi? Lui, on va bien le défoncer. Ah, il arrive. Ah, qu'est-ce qu'ils nous fait? Ah, l'enfoiré, putain, il a changé. Bon, bah, changement de plan. Qu'est-ce que tu fais si je change là? Ah merde, quel enculé! Putain, j'avais pas vu. Mais quelle pièce de merde! Tiens. Ah, c'était malin ça. Ça c'était très malin. Putain, ils sont pas cons en vrai, hein. Eh, les ennemis, franchement, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ils sont pas cons, hein. Putain, c'est dommage que je peux pas porter deux armes à main. Putain, c'est con ça que je peux pas le faire. Ça serait vachement bien, ouais. Ça serait vachement bien, mais bon. Que voulez-vous? Ah, bon, on va changer de gun. On va changer de gun. Après, je vous cache pas que c'est quand même pas déplaisant de changer d'arme, tu vois. Changer d'arme en fonction, c'est quand même vachement stylé. Mais bon, j'ai toujours l'impression de manquer de balles. Je vous cache pas que là... Encore là, j'en manque pas, mais... Un intrus, ici ! Allez ! Bon, j'aurais peut-être pu le tuer au corps à corps, mais bon. Je garde mon arme pour plus tard. Ah, quoique. Ah, quel con. Miskin, j'aurais dû l'utiliser là. Ah, j'ai été con. Ah ouais, mais ça, c'est je connais pas le jeu, ça.
Ça, tu vois, un mec qui connaît le jeu, il aurait anticipé. Il aurait anticipé. Mais moi, comment veux-tu que j'anticipe? Impossible. Impossible. Bon, est-ce qu'on va arriver enfin dans cette fumée? Parce que là, je te cache pas que... Bah, ce paysage-là me saoule un peu, là. Ça fait quand même un épisode et demi, là, qu'on est dessus, là. Ça commence à être chiant. Honnêtement, c'était sympa, là, mais ça commence à être long. Vraiment. Très honnêtement, ça commence à être un peu long. Genre, phase d'ennemi, là, on a compris, quoi. Je suis recherché à la mort, on a compris. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça va être parce que j'ai loupé la cinématique avec Dina, quoi, à mon avis. Ah, voilà la fumée, en gros. C'est une bagnole qui a cramé. Très bien. Très, très bien. Bon. Dans ce cas, que dois-je faire? C'est... J'y vais, c'est ça? Ah ouais, on dirait bien. Ah, putain. C'est qui? Ah, c'est le mec, c'est Tommy, non? Tu peux me dire ce que tu fous là? Ah, Tommy. Ah non, c'est Jess. C'est vrai que c'est le copain de Joël, c'est vrai. Elle est en sécurité. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Ah tiens, d'ailleurs, excusez-moi. Il y a peut-être un son parasite depuis tout à l'heure. Normalement non, mais il y a peut-être un son parasite, excusez-moi. Là c'est coupé, normalement ça aurait été mieux. Ça va aller. Les potes me sont tombés dessus. Ça m'a même peut-être monter un petit peu le son. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Je m'en gueulerai plus tard. Vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ah, il a pas tort. Ok. Il faut qu'on se tire d'ici. T'es prête? Ouais. Alors? Hey, pas de conneries, hein? Alors, ouais. Ouais, je suis prêt, ouais. On va dire ça. Oh putain, vas-y, ils sont beaucoup trop. Bon, au moins on est deux cette fois. On peut aller voir cette maison. Ouais. Toujours cool. Dégage. La guerre est déclarée. Pas de retour en arrière. Ouf. Bien joué. Oh, sérieux. Tiens et tiens. Dégage. Il n'y en aura qu'un qui survivra. Putain, sérieux, la balle, c'était pas mérité. Hein. Ah bah, il y a un kit. Ah bah, parfait. Bah attends, bouge pas. Impeccable. Voilà. Ouais, je monte si je veux, déjà. Ok, déjà, tu me donnes pas d'ordre. Il est malade, lui. Ouais, ça va, j'arrive. Ouais. Il est malade, lui. Ah, putain, merde. Hop. Tiens. Ah, merde. Ah. Tiens. Dégage. Bah, lui, il est mort. Ah! Oh putain. Aïe aïe aïe. Tiens! Ça va être chaud. Putain, en fait, je peux vous ruiner en fait, non? Dans mes balles. Je m'en fous. Tiens! Ah merde. Ah, je voulais la tête. Ah, je voulais la pleine tête. Oh putain, il y a encore son collègue là. Ah, ah, je l'ai pas vu son collègue. Eh, sa casquette de merde. Wow. Ah, oh, ça rase. Non, ça marche plus. Non, non, non. Ah, jure, ça marche plus.
Ah si, ça peut marcher. Oh putain, oh là là, il y a... Oh. Oh le bordel, dégage! Bien joué! Ouf! Ça c'est fait. Oh là là, encore! Oh. Ah, 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 ah! Non! Tu dégage! Oh, c'est nerveux! C'est nerveux, mais dégagez-moi ce score! Ah, on est mort! Ah, on est mort! Jure! Non, j'ai perdu! Ah non, je suis pas perdu! Mais non! Je refuse! Non! Non, non! Aujourd'hui, c'est un épisode sans rage. Non, je peux pas perdre. Non, ça va. Oh putain! Oh, j'ai eu peur! Je me suis dit, mais d'où? Mais à quelle heure? À quelle heure, moi, je meurs? Mais non, en fait. Non, je suis pas comme ça. C'était pas mal, hein? Eh, en vrai, tu vois, je viens de penser à un truc. Mais tu vois, pour les phases de zombies, la phase de zombies, ce qu'on a fait avec la bagnole, putain, ça pourrait faire une putain d'idée de parc d'attraction, ça. Hein. Ça pourrait faire une putain d'attraction, ouais. Ce serait incroyable. Il y a une idée, là. Il y a un concept d'attraction. Hein. Vous savez, genre avec une voiture, je sais pas, qui bouge dans tous les sens. Qui bouge dans tous les sens, et... Et avec la VR, peut-être. Et avec la VR, tu revis ce moment-là, tu vois. Vraiment. Je pense que tu auras de belles sensations, ouais. C'est tout con, mais... Je sais pas. Je trouve ça fun. Je trouve que ça serait fun. Bon. C'est pas Tommy, mais on arrive pas à Jess. D'accord. Très bien, très bien. Dina. Homo Shiloi, j'ai envie de dire. Ah, enfin. Putain, Dina, elle. Putain. Oh, ma soeur, tu vas jamais deviner ce qui m'est arrivé. Putain. Salut, Dina. Oh, Jess. Non, ça va pas. Faut juste que je me... Ah, d'accord. Bah, repose-toi. On devrait rentrer à l'intérieur. Je vais peut-être monter un peu le son. De toute façon, vous, ça vous dérange pas normalement. Ah, Tommy. J'entends absolument rien. Ah, 2 ans plus tôt. Dommage, on n'est pas avec Joël. Je préfère Joël que Tommy, hein, mais bon, ok. Ah, mais du coup, ouais, du coup, je confonds, en fait. Tommy, c'est le pote à Joël, si je comprends bien. D'accord, je pensais que c'était l'inverse. Moi, je confondais Jess et Tommy, en fait. Dans ma tête. D'accord. Oh là là, oh, ces paysages. Oh, les amis, c'est incroyable. Ce soleil. J'ai juste à des trucs. N'hésite pas si jamais tu veux en parler. Okay. Oh là là, ce soleil. Ce sunshine, les amis, j'adore. Non, vraiment, j'adore. Combien? Pas beaucoup. Qu'est-ce que... Il a tiré sur quoi, là? Faisant. Ok. Je sais pas sur quoi tu tires, mon frère. Un pigeon, non? Tu veux tenter ta chance? Ah ouais, j'ai pas le choix. T'es sérieux? Je suis d'humeur généreuse. Ça se dit ça pour un mec? C'est je suis d'humeur généreux, non? Enfin, je sais pas. Enfin, ça doit se dire, à mon avis, je pense. Ah, lui là! C'est pratique pour les faire sortir de leur cachette. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, c'est bon là, non? Hein? Elle a le temps de redescendre. Je vois.
Ah ouais. Pense bien à corriger la trajectoire de la balle. Ah ouais, d'accord, carrément plus haut que ça. Ici alors. Attends, merde, je me suis trompé de touche. Là c'est bon. Là je l'ai fait. Voilà. Ah ouais, j'ai pas compris moi ton astuce de... Que la balle faisait ça. Ah ouais, moi je crois que t'as un bon flingue, je suis déçu. Je suis déçu. Moi je crois que tu m'avais donné un sniper en fait. Ah. Ce que je dois faire, je dois les viser. Ah mince, je l'ai raté. Merde. Ah, j'en ai un. Bon boulot. Encore quelques yes. Ah. Yes. Bon, au moins ça one shot. Il me plaît bien ce fusil. Ha. Ouais, j'arrive pas à le viser. Ah, yes. Ah, voilà. En général, on en trouve d'autres par là. Ok, je commence à cerner un peu ce flingue. En fait, il faut pas aller si haut que ça non plus, quoi. Je dirais qu'il faut laisser une marge de 2 mm, je pense. Oui, c'est mon petit avis d'espère, les amis. Mais des lunettes de thug. C'est pas vrai. C'est clairement pas vrai. Non, mais en vrai, juste comme ça. Sans prétention. Qu'est-ce que je dois voir, là? Il y a un truc que je dois viser? Ah, alors bouge pas. Regarde, normalement, si je fais ça, là, je l'ai. Voilà. Tu vois? 1 ou 2 cm. Il y en a encore d'autres? Pourquoi? Ils sont où? Je vois pas. Ah, ici. Ah, là ça va être chaud là. Oh, incroyable, je l'ai eu. Ça dans le sang. J'en vois 3 encore. Là. Ah, deg! Non, jure. Ah, c'est plus chaud de côté en fait. Ouais, c'est plus tendu de côté. Qu'est-ce que tu dis de ça? Que de hauteur, mais ok. Ah, encore 2? J'ai pas vu. Je vois l'azim. Ah, bon, toi t'es mort, toi. Toi, je te le dis. Toi, t'étais dead. Putain, elle est pas mal cette arme, je veux cette arme. Trouve ton rythme. Sérieux, elle one shot et tout. Elle est incroyable. Je vois pas le dernier. Alors, au risque de paraître pour un aveugle, hein, mais très honnêtement, je le vois pas. Très honnêtement... Non, je le vois pas. Il y en a un, réellement? Je vois rien bouger, hein. Ouais. Ouais, vas-y, l'astuce, parce que là... Ah, il est là. Je vois pas, moi. Hein? Ah, putain, il était là. Mais je l'ai pas vu, moi, mais... Ah, par contre, ouais, je l'ai bien visé. Là, je lui fais une tête, je crois. Hein. Je crois que là, j'ai fait un tiers-tête. J'avoue que là, je l'ai bien visé. Mais, ah ouais, je l'ai pas vu. Il est caché avec le feuillage. Non, mais n'importe quoi. D'où tu le voyais? Qui le voyait du premier coup? Personne. Près de la tour. Près de la... Ah, là-bas. Ah. Ah, yes. Alors là, c'est un peu plus chaud. Oh, d'où? Oh. Ah ouais, c'est si loin que ça. Ouh, putain. Ouais, j'aime le bruit que ça fait. En plus, c'est vrai. Ah. Yes. Il en reste quelques-uns. Ah. Ah ouais. Ah non, là, c'est... Là, en fait, c'est notre... Là, c'est encore plus loin, les amis. Donc là, il faut encore que je m'en ravitue. C'est encore plus loin. Tu vois? Regarde, t'as vu que là, c'est limite, quoi. Là, c'est vraiment très loin, en fait. J'en dirais pas, mais c'est vraiment très loin. Yes. Ok, lui, il est mort. Ah, l'automne, c'est bien. On est d'accord, mon bon. On est d'accord. Bon, finalement, Tommy, je t'aime bien. J'ai rien dit. Oh! Je l'ai eu. Je sais qu'on est censé se débarrasser des corps. Ah. Mais c'est pas comme comme les vampires. Ouais, moi non plus. Allez. Ça craint pas le jour, même si on est le jour. Ok les amis. Non mais en vrai c'est drôle. On va se débarrasser des corps, ça va. Il va crever MDR. Donne-moi ça. Rends-moi mon flingue. Tommy. Merci pour la balade. Reprends ton flingue qui pue la merde, Ali. C'est ça limite. Et eh oui, Joël s'inquiète toujours pour Ellie. Il n'y a aucune raison. Oh si. Je sais bien. Bon,
Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il... J'avoue. Et je lui parle. Comme un père. Enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Ok, je vais essayer. Qu'est-ce que... Que doit-on faire? Ah, faut que j'aille lui parler? Non, jure, il est là? Ah! Jure, il est là? Ah ouais! C'est vous qui avez fait tout ce raffut? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Je vois que... Tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Quoi, faut les changer? Eh oui! Ouais. On t'en trouvera d'autres. Tiens, d'ailleurs, Ellie, elle avait son tatouage à ce moment-là. Il y a un magasin de musique pas loin. Un magasin? Parce qu'il y a encore des magasins? Vous m'apprenez un truc, là. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Je vais montrer la garde. Qu'est-ce que t'en dis? C'est fou, c'est que dans The Last of Us Partie 2, Joel il est nettement plus souriant. En vrai, il était pas comme ça dans le 1. Hein. Allez, on se tire avant qu'il change. Genre, attends, à moins que j'ai plus de mémoire, hein, mais il me semble que dans le 1, il était pas si souriant que ça. Hein. Là, il a toujours le sourire. C'est dingue. T'es sûr que tu veux pas venir? Allez, vas-y. Bon, bah, c'est parti, s'il m'attend. Ok. Eh oui, on y va. Allez. Allez, on te suit, Daron Joel. Alors, te suit, bien sûr. Avec Tommy, vous... Mais en vrai, vous trouvez pas? Juste quelques... Genre vraiment, Joel est nettement plus souriant là dans le 2 que dans le 1. Hein. Pas grand chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Dans le 1, c'était un vieux un peu renfermé. Ce qui était logique, après la mort de sa fille, hein, tu m'étonnes. Après avoir perdu sa fille, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres pourtant. Et j'ai plus... Mais c'est bien, ça veut dire que Joel il est devenu heureux depuis le temps. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ok. Merci. Ça veut dire qu'il a vraiment fait le deuil de sa fille, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. Allez. Donc là, on va aller quoi? Au magasin de musique, c'est ça le truc? Les comics. Savage Starlight. Que t'aimes bien. Les comics. Ouais. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros. On est allé dans l'école. Ah ouais? Et alors, ça t'a plu? C'est... En fait, je crois que c'est pas trop mal. Le docteur Daniela Starr. C'est une sauvage. Ce qu'elle fait au capitaine Ryan pendant leur combat. Ouais. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font. Comment ils font pour s'échapper? C'est trop marrant. Ah non, jure. Ouais. Oh. Mais t'es pas marrant, Joël. Moi, je voulais continuer avec le cheval. Voilà le magasin de musique. Ah, Music Center. Putain, mais c'était classe il y a 2 ans. En fait, c'est bizarre, c'est que tu vois, il y a une époque... Ça va aller. The Role, c'est qu'il y a une époque de paix, on dirait. On dirait qu'il y a une époque de paix. À mon avis, on peut pas passer par là. Quoi? Ah ouais, j'avoue. Alors, si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Je suis partante. Passer par l'hôtel. Ok, bah par là alors. Ah, ça marche pas. Faut faire le tour carrément. Ouais, moi aussi je pensais par là. Non? Nar? Ça passe pas, Joël? Non? Non, Joël il dit non. Joël il a dit non. Mais au pire, vous avez pas appris le crochetage? Chier. J'ai peut-être quelque chose. Ah bon? Tu crois que tu peux passer? On peut essayer. Ouais. Fais attention. D'accord. Ah bah, si tu relâches, je suis mort. Hein. Clairement. Donc tu relâches pas, hein. J'y suis. Attends 2 secondes. D'accord.
Ok, faut que j'ouvre la porte. Alors, une bouteille, on s'en fout. Bah, en vrai, là, on va rien collecter, les amis. Hein. De toute façon, il y aura pas grand chose. Il y aura peut-être 2-3 ennemis, mais il y aura pas la BAC, il y aura pas le GIGN, tous ces merdes-là. Hein. Donc, bon, du coup, c'est bien. C'est bien, c'est que ces parties-là, on peut les rusher. Hein. Ces parties-là, on peut les rusher comme jamais, les amis. Donc, ça, c'est cool. Tiens, salut. Salut. Impressionné? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. T'es trop maigre. Rien. Putain, c'est quoi cette critique? C'est terrible. Quel enfoiré ce Joël, allons, c'est pas drôle. C'est pas marrant. Que faire désormais? Bon, le tout c'est de se barrer en fait. Le tout, le classico del Madrido, c'est de s'en aller. Ah mais attends, mais c'est par là en fait. J'ai cru voir un truc. Ah, par ici? Merde. J'étais complètement à côté de la c'est plaque. Flippant comme endroit. Ah, vas-y, oui, excellent. Mets ton masque. Comment je le mets? Je suis obligé. Y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre? Si on croise quelqu'un d'autre, effectivement. Ouais. Hop. On sait jamais ce qui peut arriver. Ellie, si t'arrêtes de porter ton masque, tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Pas à Jess ou Dina. Jess ou Dina. Bien sûr que non. Ok, tant mieux. C'est-à-dire qu'Ellie connaissait Dina il y a 2 ans quand même. D'accord. Intéressant, intéressant, les amis. Très, très intéressant. Ok. Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être dû. Bon, allons voir hein, s'il y a un ennemi peut-être. Ou pas. Ça va, il a un bon fusil à pompe, Joël, on est tranquille. Je pense qu'on est tranquille. Le fusil à pompe, c'est l'arme la plus forte pour moi. Hein. Pour moi, c'est l'arme la plus puissante. Sans problème. Tiens, c'est drôle, The Last of Us, ça met le masque. C'est fou. Comme nous en ce moment. Est-ce que finalement, on va se rapprocher de The Last of Us? À méditer! Ah, méditer. Ah, une planche. D'accord. Bon, s'il me donne une planche, je sens qu'il y a de l'ennemi à battre. Ah, 2 balles de flingue. Ah, bah là, oui. Là, effectivement, ça a l'air de se rapprocher. Là, un ennemi a l'air d'arriver. Mais bon, le tout, là, c'est comment je me barre. Parce que là, c'est bien marrant. Là, on s'amuse, c'est marrant, mais bon. Il faudrait que je me barre de cet hôtel quand même. Mais comment? Par ici? Ah, un claqueur. Bon, s'en fout, hein. J'en ai vu des milliers. C'est pas grave, Joël. On en a vu des milliers. Ah, putain, mais c'est là. C'est là la suite, en fait. Nickel. Ah, un ascenseur. Alors, qu'est-ce qu'on ouvre? L'ascenseur ou ça? Non, on peut pas. Bon, l'ascenseur? Ah, non plus. Ah, c'est Joël qui l'ouvre, d'accord. Faut attendre que Joël l'ouvre, ok. Ah, ah c'était sûr. On est en patrouille. Ok. On s'en occupe. Un claqueur avec la pose de Dio. Hein. Je suis désolé, mais ça, c'est clairement la pose de Dio. Hein. Oh merde. Oh putain! Ah! Tiens! Tiens! Oh là là, Joël! Joël, c'est le best mate en fait. C'est abusé. Tiens! Ah. Tiens, tiens, tiens! Tiens! Ah! Dégage! Tiens! Tiens, tiens! Et boum!
Et voilà. Cool. C'est bon, on a réussi. On a réussi sans trop de problèmes. Ça va en vrai. Ça va. Ah bah, on a un petit kit. Ça va, on est saucé de ouf. On est saucé de ouf en vrai. Attends, par contre, ouais, voilà, recharge-toi. Vas-y, vas-y. Vas-y, ouvre, Joël. Je suis là. Ah merde. Ah. 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 Tiens, dégage. Tiens. Voilà. Tiens, tiens, et tiens. Tiens. Oh putain. Merde. Ah, dégage. Tiens, mais dégage. Ah merde, j'ai plus de balles avec tout ça. Putain, ils sont encore rien, ça. Oh putain. Oh. Ah. Ah. Tiens. Ah, dégage. Ah, je vais mourir. Voilà. Putain, c'est un traquenard. Waouh. C'est un bordel de ouf en vrai. Pourquoi il y en a autant, on dirait une map de Call of. Ah, t'es sérieux? Vas-y, normalement je te fais un V1 toi. Putain, dégage. C'est terrible ça. Bon, c'est pas grave. Ça y est là. Joël. Ouh. Je crois que c'est fini. Mais putain. On dirait bien. Oh, ouais, bah on dirait bien, putain. T'as assuré, Ali. Bon. Et si on mettait cette histoire de corde un peu de jour? Ouais, je pense que ça vaut mieux. Voilà, c'est le bordel là. T'as vu tout le monde qu'il y en a? Pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Ah. 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 Bon, j'aimerais bien terminer. En vrai, cette scène, quand même, les amis. Je me vois pas m'arrêter là, tu vois. Il faut finir cette scène, je pense. Faut qu'on conclue cette scène, quand même. Parce que faut pas déconner. Je pense qu'on est plus très loin, donc on va la terminer, les amis. Ouais, ça se présente pas mal. Bah, vas-y, vas-y, vas-y. Avance. Vas-y, vas-y, avance, avance, avance. Allez, Joël, n'a pas ton temps. N'a pas ton time, hein, quand même. Faut pas déconner. Oula, ça sent le zombie qui a nous agrippé. Moi, je le sens pas mal. Je le sens pas ici. Hein. Si une main peut tellement se glisser facile. Ah bah. Qu'est-ce que je disais? Oh putain, un gros claqueur, sa race. Mais c'est un colosse lui. Non mais en vrai il est différent non. C'est pas un mec qui explose. Ouais c'est vraiment un colosse en fait. Oh. Putain. Ah. Ah non ouais c'est vraiment un colosse. C'est pas le mec qui explose avec ses spores là. Ah, il est coriace de ouf. Putain. C'est quoi ce monstre? Je vais pas réussir à prendre les balles. Ah, je vais pas réussir. Oh merde. Je vais y aller au frontal, il va me détruire. Il va me briser la colonne vertébrale, lui. Merde, j'ai pas pris les balles. À la place. Voilà. Oh non. Je suis débile. Oh. Putain. Ah il fallait vraiment que je fasse ça. Mais non. Ah il fallait vraiment que je fasse ça. Mais jure. Merde.
Ah ouais, d'accord, j'en avais pour 10 ans en fait. C'est vrai. Putain, ouais, d'accord, c'est un premier qu'on voit. Putain, c'est un colosse de ouf, lui. Oh, putain, mais de toute façon, c'est sûr. Hein. C'est même pas quelque chose me dit. C'est sûr, les amis, qu'on va l'affronter une fois dans le présent. Ah, ça va être chaud. Rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Vivement, Constantin. Ouais, vivement, ouais. J'avoue que là, putain, waouh. Lui, il était impressionnant. Hein. Putain, le nombre de balles. Mais imaginez, on l'affronte dans le présent, on est dans la merde. On est dans la demeure de ouf. C'est des balles de fusil à pompe, j'en ai que deux, hein, les amis. Hein. J'ai que deux balles. Hein. Mais bon, après, il avait vie illimitée, donc combien il a de vie en vrai, je sais pas. Mais je pense qu'il a l'air d'avoir pas mal de vie. Hein. Merde. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Te recharger. Y a pas de sport. Ah yes, trop bien. On l'a bien défoncé. Ah bah, grave. De tomber sur un colosse. Ah, c'est un colosse, d'accord. Ouais. Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter. T'as un colosse, toi. Ils sont ensemble, non? Bah, plus ou moins. Quoi? Par les chiottes, yes. La façon dont Jessie parle de toi. Non, Jessie et moi, on est amis, c'est tout. Ah merde. Oh, je peux pas passer par là. Oh, je suis déçu. Je voulais passer par là, moi. Oh, parce que j'ai pas le temps, tu vois. Là, tu te trompes. On verra bien. Allez, vas-y. C'est bon, on peut enfin finir cet arc-là? Putain, 41 minutes, merde. Ça commence à faire un peu beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là. Vas-y. Vas-y, Joël, finissons-en. Tu pourrais te glisser là-dedans. Ouais, je peux, t'inquiète. Bien sûr. Je suis fine. Tu vois ce qui bloque? Ah bah. Ouais, on le voit, t'inquiète. On le voit tranquille, à l'aise. Ah bah. Ah non. Qu'est-ce que... D'accord, bah ça c'est fait. Merci. Ouais. Hé, Joël. Je crois que c'est... le couple qui s'est enfui l'année dernière. Ah! Ah, c'est le couple. D'accord, ok. Bon, y a un couple apparemment qui s'enfuit et est mort, ok. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent. Bah, très bien. Très très bien. Sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Madame, s'il vous plaît. Okay. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir. Je suis qu'un lâche. Madame. Bon sang. Ils étaient pas immunisés. Aller chercher Tommy et on reportera leur corps à Jackson. Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles, tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. C'est faux. C'est faux. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Ouais. Toi ? Moi aussi. Peut-être qu'il le cache. Ah. Comme toi. Ouais, pas faux, mais bon. T'y crois vraiment ? Non. Tu crois que c'est le moment de discuter de ça ? Ah. On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'au Luciole. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Ah oui, c'est vrai que Joël ne l'a jamais avoué. Hein.
Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par Ellie. Trouver quelque chose. Tu serais morte. Ils m'ont trouvé. Ah, putain, ils refusent de dire que sinon elle serait morte, hein. Ces deux gosses et leur famille. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non. Voilà. C'était sûr. Bien. Eh oui, on y va. Bien sûr. Un couple qui s'est fait tuer par un zombard. Dommage. Dommage. Et alors, de toute façon, rien n'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Ah, recoup de sa peau, c'est chaud ça. Il est dans les vapes. Putain, mais c'est. Mais en vrai, sérieux, c'est une bonne solution ce qu'elle fait, Ellie là? Elle se recoue une blessure? Mais what? À quelle heure c'est une bonne solution? C'est un mec bien. Mais attends, c'est vraiment une bonne solution de faire ça? Dans la vraie vie, honnêtement, les amis. Je sais pas, moi, si j'ai une blessure, je la laisse. Tu lui as pas dit. Je la laisse, je la désinfecte. Et c'est tout, en fait. C'était pas le même. Et je laisse le temps, non? Là, elle le recoue carrément. Quoi? Bon, en vrai, c'est vrai que ça a l'air... Ouais. Sacrée blessure, quand même. Mais, ça, alors... mais à ce moment-là? Sérieux? Quelque chose. Ok. PK pas. Non, bah, PK pas, ouais. Ouais, plutôt. Abby. Abby. Si, non. Abby. On veut la tuer. Cette fille, Nora. Si. Son unité a été envoyée dans un hôpital. Ah. J'imagine qu'il récupérait du matériel. On va dire que vous aurez un méga épisode là pour aujourd'hui, les amis. Ouais. Vraiment navré, mais là, il y avait beaucoup de choses de très intéressantes. Et au moins, c'est bien, ça rattrape le P6 qui était franchement pas ouf, honnêtement, ouais, où je rageais. Ouais, celui-là, je l'ai nettement préféré. Et tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Ellie. On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Quoi? Qu'y a-t-il? Non, rien. Ah. Ok. Tu veux bien venir m'aider avec la porte? Non. Ouais, mais elle dira jamais non. Je le sais, les amis. C'est dans ma tête, tu vois. J'ai envie qu'elle dise non. Ah là là! Mon Dieu! Bon. Que doit-on faire? En suivant l'arc, ouais. 5, je devrais arriver jusqu'à la. D'accord. Pourquoi? Ah, oui, d'accord, pour voir la collègue. Pour l'unité d'Abby. Ah, en fait, on veut trouver l'unité d'Abby pour parler avec elle. Ok, bon, très bien. Bah, les amis, on s'est arrêté ici. Merci d'avoir regardé cet épisode 7. J'espère que vous avez regardé l'épisode entier. Hein. Si vous l'avez regardé en entier, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Tiens, pour être sûr que vous l'ayez regardé, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'on pourrait se dire. Mettez dans les coms Joël trop classe. Voilà, si vous mettez Joël trop classe, je comprendrai pourquoi et je saurai que vous avez regardé l'épisode entier. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas encore une fois à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça me fera super plaisir. Vous pouvez partager la vidéo dans n'importe quel de vos réseaux sociaux, ça m'aidera beaucoup. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à en parler un peu à des connaissances, à vous, tout simplement. Et du coup voilà, du coup on se retrouvera pour l'épisode 8. Allez, bye tout le monde! Fight back.